paix et joie, chers frères et sœurs. Une fois de plus, nous sommes rassemblés en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous venons à toi pour nous offrir tels que nous sommes, car nous savons, nous avons l'assurance que tu es toujours avec nous, que tu veilles sur nous. Tel Jérémie dans la première lecture qui a dit: mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Nous disons à notre tour, Seigneur, que tel un guerrier redoutable, tu te lèves toujours en notre faveur, tant que nous marchons dans la justice. Le psaume du jour qui dit: je t'aime Seigneur, ma force, Seigneur mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort qui m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri, de son temple il entend ma voix, mon cri parvint à ses oreilles. Mon frère, ma sœur, en méditant sur ce psaume, tu te rendras certainement compte que
Le Seigneur est réellement le puissant guerrier qui se lève pour toi, pour moi, pour nous, à chaque instant de notre vie. Il est ce Dieu fidèle qui combat à nos côtés, qui combat pour nous, qui nous justifie en tout temps. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Peu importe la situation, il combattra pour toi. Il combattra. Il a vaincu pour toi. Le Dieu victorieux, il a vaincu pour toi. Il a vaincu pour toi. Alors il n'y a plus de raison pour avoir peur. Il n'y a plus de raison pour aller voir ailleurs. Il n'y a plus de raison de trembler. Il n'y a plus de raison de douter, car le Seigneur a vaincu pour toi. Il a vaincu pour la multitude des nations, tel qu'il l'avait promis. Alors, sois rassuré, sois tranquille, sois fortifié dans ta foi. Merci Seigneur pour ce temps que tu as permis en ta présence. Merci pour tes grâces et bénédictions que tu renouvelles dans nos vies. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.